la décision de propager la loi. Après son illumination, Shakyamuni consacra le restant de sa vie à prêcher la loi, ou dharma, introduisant ainsi une nouvelle religion dans le monde. Après avoir atteint l'illumination, Shakyamuni s'est demandé s'il devait enseigner la loi aux autres, ce qui laisse à penser que les 6 années à l'étude et à l'ascèse étaient plutôt motivées par une recherche personnelle. Cela expliquerait pourquoi il se demanda ensuite s'il devait enseigner la loi. Cela contredit cependant la théorie, généralement acceptée, selon laquelle il renonça à son palais royal pour rechercher le salut de l'humanité. Dans les Sutras Agama décrivant l'illumination, il est dit que Shakyamuni s'assit quelque temps en savourant son éveil, puis la question de savoir s'il devait ou non révéler la sagesse nouvellement acquise aux autres suscita en lui un trouble profond. Les tendances intérieures l'incitant à ne pas propager la loi se manifestèrent sous la forme de Mara, mais il les surmonta et chassa cette apparition. La détermination de partager son illumination avec tous les êtres humains jaillit de lui, appelé « plaidoyer de Brahma » dans les écrits. Le dessein de Shakyamuni lorsqu'il abandonna son domicile et sa famille n'était sans doute pas de manière consciente de sauver l'humanité, mais plutôt dans l'espoir de trouver un principe de vérité essentielle. Ceux qui s'engagent dans une quête pure et désintéressée et découvrent une loi ou un principe de vie fondamental prennent alors conscience de leur propre mission, passent souvent le reste de leur vie à proclamer ce nouveau principe avec toute leur énergie en laissant derrière eux un nom en tant que grand guide ou penseur religieux. On peut imaginer que ce fut le cas de Shakyamuni. Bien que l'on ne sache rien de ses motivations initiales, le fait qu'il quitta sa famille pour entrer dans la vie religieuse démontre qu'il se souciait des souffrances humaines et sa quête fervente d'une solution à ses problèmes souligne déjà son désir d'œuvrer au salut de tous. On présente usuellement Shakyamuni comme un bodhisattva dans la période où il quitta sa famille pour s'engager dans une pratique d'ascèse et comme un Bouddha après son atteinte de la sagesse parfaite. Mais si on analyse cette étape dans la vie de Shakyamuni du point de vue des 10 états de l'existence humaine, Jikai, on pourrait dire qu'après son illumination, Shakyamuni se trouvait dans l'état de Pratyeka Bouddha ou Engaku, état de celui qui parvient à l'illumination par ses propres efforts, et que, lorsqu'il se résolut à propager la loi, il entra dans l'état de Bodhisattva. Cette approche reflète davantage l'esprit du Mahayana, qui privilégie la personne du Bodhisattva et l'importance de la pratique religieuse. Il ne suffit pas de parvenir à une simple compréhension de la loi, l'important est de la mettre en pratique en tentant de sauver les autres, incarnant ainsi l'état de Bodhisattva. L'hésitation de Shakyamuni à enseigner aux autres peut être décrite comme le fruit de la solitude de celui qui est parvenu au véritable éveil. La loi n'était connue que de lui, s'il tentait de l'exposer, les personnes ordinaires le comprendraient difficilement et il faudrait beaucoup de temps avant que ses paroles ne soient acceptées. Conscient de l'immense fossé séparant le monde radieux de la sagesse intérieure du monde humain, Shakyamuni dut se sentir assailli par un sentiment de solitude et d'isolement, suscitant son hésitation. L'éveillé a des souffrances qui ne sont connues que de lui et il est seul conscient de la sagesse à laquelle il est parvenu. Tous les grands pionniers de l'histoire ont connu ces tourments. Isolé parmi les autres êtres humains, il était le seul à avoir saisi une vérité universelle et avait conscience qu'il avait pour mission de l'exposer. Dès qu'il prit la décision de se dresser avec détermination, cette vérité intérieure se transmit à travers le monde sous une forme universelle capable de trouver un écho en chacun. C'est alors que son sentiment d'isolement se dissipa. Faire tourner la roue de la loi. Il s'écoula environ 1 mois entre l'illumination de Shakyamuni et son premier sermon à Sarnath, près de la ville de Bénarès, à environ 200 km de Bodh Gaya, où Shakyamuni atteignit l'illumination. Une bonne dizaine de jours de marche lui a été nécessaire. On dit que Shakyamuni choisit Bénarès plutôt que le Magadha pour ce premier sermon parce qu'il souhaitait enseigner aux 5 bhikkhus ou ascètes avec lesquels il avait auparavant pratiqué les austérités, et ceux-ci séjournaient désormais à Bénarès. On ne connaît pas avec certitude l'identité de ces ascètes, il semble que l'un d'eux s'appelait Anyata Kaundana. On ignore également pourquoi ils sont allés à Bénarès après avoir quitté Sena. Si le Magadha était le lieu de rassemblement des penseurs aux idées neuves et originales, Bénarès était réputé pour son atmosphère religieuse.
C'est donc près de cette ville, à Sarnath, dans un lieu connu sous le nom de Parc aux Gazelles, que Shakyamuni délivra son premier serment. Dans la pensée orientale, on dit que les gazelles recherchent la compagnie des saints, et l'on peut imaginer que ce parc aux gazelles, où ces animaux s'ébattaient en toute liberté, était particulièrement fréquenté par des personnes aux fortes inclinaisons religieuses. Shakyamuni ayant côtoyé durant des années d'austérité ces cinq ascètes, il devait souhaiter qu'ils soient les premiers à partager avec lui l'illumination à laquelle il venait de parvenir. S'il n'était pas capable de convaincre ses anciens compagnons de la justesse de ses idées, il aurait alors en effet le plus grand mal à les transmettre à d'autres. Il devait sans doute aussi penser qu'il propagerait plus aisément ses enseignements en se tournant vers des hommes déjà engagés dans la vie religieuse, plutôt que de s'adresser d'emblée au plus grand nombre. Mais l'accueil de ces ascètes fut plutôt froid, parce qu'ils considéraient que Shakyamuni avait abandonné les austérités au profit du luxe, trahissant l'engagement qu'il partageait initialement. Ils lui gardèrent néanmoins un certain respect, mais étaient convaincus que Shakyamuni n'avait pas atteint la véritable illumination et le traitèrent avec familiarité. Shakyamuni leur aurait répliqué avec une certaine hauteur qu'on ne parle pas ainsi à un Tathagata, c'est-à-dire un éveillé, ce qui en tout cas démontre qu'il s'adressa à eux avec un certain aplomb. Les cinq ascètes restèrent cependant sceptiques quant à l'illumination de Shakyamuni, ne pouvant croire qu'en abandonnant les austérités pour vivre dans le confort, celui-ci ait pu atteindre la sagesse parfaite. Shakyamuni persista dans sa déclaration et leur annonça qu'il allait leur enseigner la loi, sans plus de succès. Il leur demanda alors s'ils l'avaient déjà vu aussi radieux et rayonnant, et s'il s'était déjà adressé à eux de cette façon. Une impression d'autorité et de confiance émanait de Shakyamuni, qui convainquit ses anciens amis. Ils écoutèrent alors ses enseignements et entreprirent de vivre à Sarnath selon un mode communautaire. Shakyamuni enseignait la loi à deux ou trois ascètes, tandis que les autres allaient mendier pour subvenir aux besoins du groupe. C'est après un certain temps seulement que ses disciples ont acquis le type de vision qui permet d'appréhender les enseignements de Shakyamuni, appelé « œil du Dharma ». Kaundana fut le premier véritable disciple du Bouddha à y parvenir. Il devint ainsi le premier véritable disciple du Bouddha. Les quatre autres purent également y parvenir un à un, ainsi naquit le premier Sangha, ou communauté bouddhiste. Selon certains, Shakyamuni enseigna à ses premiers disciples la voie du milieu, en les exhortant au double rejet des extrêmes représentés par l'hédonisme et l'ascèse, puis entreprit ensuite d'enseigner les quatre nobles vérités et l'octuple chemin. D'autres prétendent que Shakyamuni n'enseigna que l'octuple chemin, d'autres encore considèrent que ses enseignements initiaux se limitèrent aux quatre nobles vérités, la voie du milieu et l'octuple chemin, étant des ajouts ultérieurs à leurs yeux. Quoi qu'il en soit, après avoir atteint l'illumination sous l'arbre de la Bodhi, Shakyamuni dut s'interroger longuement sur la façon la plus judicieuse de présenter ses enseignements, afin de rendre compréhensible la sagesse suprême et mystérieuse. Il s'exprima sans doute dans la langue usuelle de l'époque et s'efforça de traduire les principes de l'illumination en termes facilement accessibles. Les quatre nobles vérités représentent une doctrine très réaliste, commençant par définir la problématique fondamentale en affirmant que 1. Toute existence est souffrance. 2. La souffrance est engendrée par le désir égoïste. Puis, elles entreprennent de présenter la solution en affirmant que 3. Le désir égoïste peut être détruit. 4. Il faut pour cela s'engager sur l'octuple noble chemin. L'octuple noble chemin se présente à son tour comme une liste claire et concrète de principes à suivre afin d'obtenir la délivrance. 1. La compréhension juste. 2. La pensée juste. 3. La parole juste. 4. L'action juste. 5. Le mode de vie juste. 6. L'effort juste. 7. L'attention juste. 8. La concentration juste. On peut supposer que ces cinq ascètes purent comprendre facilement ces doctrines présentées de manière simple et concrète. Les disciples du bouddhisme Mahayana considèrent ces premières doctrines et les sutras Agama où elles sont compilées comme des formes d'enseignement de la loi adaptées aux personnes ordinaires et destinées à les conduire à une compréhension des principes les plus élevés de la loi. Le premier sermon semble constituer un programme simple de pratique religieuse pour les mener à l'illumination plutôt qu'une approche approximative de l'illumination de Shakyamuni elle-même.
L'école bouddhique chinoise, Tiantai, divise les enseignements du Bouddha en 5 périodes. Cette classification peut contribuer à expliquer la distance philosophique qui semble exister entre l'essence du bouddhisme et les doctrines très pratiques présentées dans ce premier sermon à Sarnath. Selon Tiantai, le premier sermon fut délivré à Bodh Gaya et non à Sarnath, où Shakyamuni avait atteint l'illumination. Ce premier sermon est contenu dans le sutra Avatamsaka, un enseignement élevé qui reflète assez précisément le cœur même de l'illumination du Bouddha. Cependant, ses auditeurs ne parvinrent pas à le comprendre et c'est pourquoi à Sarnath, il préféra enseigner les sutras Agama. Selon Tiantai, ces deux premiers prêches correspondent aux deux premières des cinq périodes des enseignements du Bouddha, les trois autres étant la période Vajpulya, où furent enseignés la plupart des sutras du Mahayana, puis les périodes où il enseigna respectivement les sutras de la Prajnaparamita et le sutra du Lotus. Cette thèse, bien qu'aucun élément historique ne l'accrédite, témoigne cependant d'une certaine logique. Quand Shakyamuni prit la décision d'enseigner la loi, il dut envisager différentes façons de présenter son illumination au monde. Il a peut-être dans un premier temps imaginé le système de pensée complexe exposé dans le sutra Avatamsaka, mais ce sutra, exposant la difficile doctrine de l'origine interdépendante de toute chose dans le monde de la loi cosmique, se révéla inintelligible pour les personnes ordinaires. Shakyamuni a peut-être décidé alors de délivrer un enseignement plus simple et plus concret. Les doctrines des sutras Agama, avec leur éthique et leur pragmatisme, représentent donc une autre façon d'aborder le problème de la transmission. Le premier sermon à Sarnath représente la venue au monde d'une nouvelle religion, ce qui lui valut d'être qualifié de mise en marche de la roue de la loi. Dans l'Inde antique existait le concept du sage ou saint idéal qui fait tourner la roue de l'univers et expose la loi suprême. Le terme « mise en marche de la roue de la loi » découle de ce concept et signifie que le Bouddha, qui a atteint l'illumination suprême, enseigne les plus hautes vérités à propos de l'univers et de l'humanité. L'idéal Chakravarti Raja, ou roi qui fait tourner la roue, provient du même concept. Il est possible que l'expression « faire tourner la roue » symbolise l'avènement d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle société. Il ne fait aucun doute que l'apparition de Shakyamuni et de ses enseignements concernant l'existence humaine a engendré une nouvelle ère dans l'histoire de la philosophie et de la religion. Après le premier sermon et la conversion des cinq ascètes, les récits indiquent que cette nouvelle foi s'est développée et propagée à une vitesse impressionnante. Certains prétendent qu'après quelques années seulement, Shakyamuni comptait déjà plus de 1000 disciples. Dans l'Inde antique, l'individualisme n'était pas de mise. Quand un père et un fils se convertissaient au bouddhisme, il était de coutume que toute la famille fasse de même et entre dans la nouvelle foi. De plus, en raison du profond intérêt du peuple indien pour la religion et la philosophie, particulièrement à l'époque de Shakyamuni, lorsqu'un jeune homme devenait disciple de Shakyamuni, ses amis et relations, par curiosité naturelle, souhaitaient à leur tour écouter ses sermons. Parmi les premiers adeptes figurèrent des familles royales comme celle du roi Bimbisara et des familles de marchands comme celle du riche Sudatta. Après avoir converti les cinq ascètes, Shakyamuni demeura un temps à Bénarès, qui était aussi la capitale du puissant royaume des Kashi. Cette ville d'affaires prospère se situait à un point stratégique commandant les axes de circulation par terre et par voie fluviale et entretenait de nombreuses relations commerciales avec les autres États. Comme Rajagra, la capitale du Magadha, Bénarès semble avoir contribué au développement d'une nouvelle classe de riches marchands. Yasa, le premier disciple de Shakyamuni après les cinq ascètes, était d'ailleurs lui-même le fils d'un riche marchand de Bénarès. L'histoire de Yasa est significative parce qu'elle illustre que la richesse matérielle ne peut satisfaire à elle seule les besoins spirituels des êtres humains. La vie de Yasa, avant sa conversion, ressemble à la première partie de la vie de Shakyamuni. Élevé dans le luxe, il partageait son temps entre trois maisons, l'une pendant la saison des pluies, l'autre en été et la troisième en hiver. Constamment entouré de servantes, il passait ses journées à festoyer, à danser et à écouter de la musique. En dépit de ses conditions de vie agréables, il éprouvait un certain mal-être. Fondé sur le plaisir des sens, sa vie sombrait dans le désenchantement. Plus il vivait dans l'oisiveté, plus son sentiment de vide et de désespoir s'accentuait.
Finalement, une nuit, alors qu'il se mit à errer en quête de la liberté spirituelle, il eut la chance de rencontrer Shakyamuni. Shakyamuni se reposait à Sarnath lorsqu'il entendit les lamentations du jeune homme. Il l'appela près de lui, l'assura qu'il n'aurait bientôt plus de motif d'inquiétude et entreprit de lui transmettre la loi. Yasa, qui n'avait connu jusqu'alors que vide spirituel, ressentit de la joie en écoutant Shakyamuni et se convertit à la nouvelle religion. Shakyamuni enseigna à Yasa la loi de causalité que l'on considérait en Inde comme relevant du bon sens et mit l'accent sur les concepts bouddhiques de cause et d'effet et sur la nécessité d'échapper au cycle des naissances et des morts. Shakyamuni prêchait selon les besoins et les capacités de ses auditeurs en utilisant les points de vue philosophiques généralement acceptés et en enseignant un mode de vie approprié du point de vue de la loi de causalité. Il ne repoussa pas totalement la philosophie des Upanishads, pensée dominante dans l'Inde de l'époque, mais en utilisa les idées pour exposer sa propre doctrine. Il souhaitait guider les êtres humains dans la pratique du bouddhisme en présentant ses enseignements de façon aussi claire et raisonnable que possible pour les rendre attrayants. En certaines occasions, il dut clarifier certaines différences doctrinales fondamentales entre la loi bouddhique et la philosophie des Upanishads. Le grand philosophe Nagarjuna classa ses méthodes d'enseignement en quatre types consistant à enseigner. Selon les désirs et besoins des auditeurs, selon leurs facultés intellectuelles, en réfutant et corrigeant leurs fautes et leurs erreurs, la vérité ultime lorsqu'ils avaient progressé au point d'être en mesure de l'appréhender. Shakyamuni eut bien des occasions d'avoir recours à ces quatre méthodes durant ses 45 ou 50 années d'enseignement. Dans le cas de Yasa, il adopta les deux premières, répondant aux besoins et désirs spirituels du jeune homme en s'accordant à ses facultés intellectuelles. Yasa fut si touché qu'il décida de devenir moine. Son entrée dans la communauté amena le nombre de disciples à 6. Le père de Yasa, inquiet pour la sécurité de son fils, partit à sa recherche. Et après avoir entendu les enseignements de Shakyamuni, se convertit également et devint un croyant laïque. Il invita Shakyamuni à son domicile pour instruire la mère et l'épouse de Yasa. Les amis de Yasa, qui l'avaient toujours admiré pour sa vive intelligence, lui rendirent visite et observèrent sa nouvelle vie de moine. Ils entrèrent tous dans la communauté après avoir entendu les enseignements de Shakyamuni. Ils auraient été ainsi 54 à devenir bouddhistes à la suite de Yasa. La conversion de Yasa illustre l'impact de la foi d'un homme intelligent et d'une grande profondeur spirituelle sur sa famille et sur les autres jeunes de sa génération. Le petit groupe de disciples rassemblés autour de Shakyamuni s'est développé jusqu'à former une communauté religieuse d'une réelle importance. Après avoir établi les fondations d'une nouvelle organisation religieuse, Shakyamuni quitta Bénarès et choisit de se rendre à Uruvela, où il avait atteint l'illumination. Il demanda à ses disciples de partir enseigner la loi séparément dans diverses régions. Puisqu'ils avaient atteint la forme la plus élevée d'illumination, il était de leur devoir de voyager en propageant les enseignements de Shakyamuni et en expliquant concrètement comment les mettre en pratique pour la paix et le bonheur de tous. Les disciples partirent seuls afin de transmettre les enseignements au plus grand nombre de personnes possible. Shakyamuni avait, sans doute, en leur imposant une discipline rigoureuse, préparé ses disciples à affronter de telles épreuves. Le bouddhisme n'est pas seulement un système philosophique ni une religion destinée à ceux qui souhaitent consacrer leur temps à méditer paisiblement. Il engage ceux qui ont trouvé la voie à prendre pour mission de la faire connaître aux autres, jusqu'à atteindre tous les êtres sensitifs. Le cœur de la religion bouddhique est une pratique active de la foi, que ce soit à l'époque de Shakyamuni ou à l'époque actuelle. En exhortant ses disciples à suivre leur voie, seuls, plutôt que par deux ou trois, Shakyamuni souligne l'importance de l'autodiscipline et du contrôle de soi. Il encourageait une attitude active et positive, plutôt qu'un comportement purement passif. Il souhaitait que ses disciples ne soient pas de simples récepteurs de la loi, mais qu'ils s'engagent avec force à la faire connaître. Enseigner la loi de sa propre initiative permet de transmettre le message à d'autres, mais aussi d'en acquérir soi-même par ce processus une compréhension plus profonde et une foi plus forte. La méthode adoptée par Shakyamuni souligne que le bouddhisme est une pratique religieuse dynamique. Shakyamuni se sépare donc de ses disciples et part pour Uruvela, où se déroulera une des phases majeures de son enseignement. Beaucoup, parmi les convertis, par leur passion et leur influence, apportèrent une grande contribution au développement de la communauté, comme le roi Bimbisara du Magadha, ainsi que les célèbres disciples Shariputra, Moggallana, Mahakashyapa et les trois frères du clan Kashyapa.
Les efforts de Shakyamuni à Ayurveda eurent un succès considérable, obtenant l'adhésion d'ascètes, de personnes en quête de la loi et d'hommes influents qui ne satisfaisaient plus de la philosophie ou de la religion traditionnelle. Les écrits relatent des épisodes significatifs et l'un des plus insolites est celui de la conversion de 30 couples sur la route du Ayurveda. Un jeune célibataire, Yasa, fréquente une prostituée qui s'enfuit avec les biens du jeune homme. Le groupe entier part à sa recherche, ils rencontrent sur leur chemin le Bouddha en méditation. Shakyamuni écoute leur histoire et les réprimande de cette manière. « Plutôt que de traquer une prostituée, ne feriez-vous pas mieux de partir en quête de votre propre nature ?» Il leur enseigne la loi et tous les couples se convertissent. Ceci indique le pouvoir d'attraction émanant de Shakyamuni et combien il utilisait admirablement toutes les opportunités pour enseigner la loi. Des adeptes tels que Yasa et les 30 jeunes couples ne se tournèrent pas vers la vie religieuse parce qu'ils n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins. Comme beaucoup d'autres disciples de Shakyamuni, ils étaient originaires de classes sociales les plus élevées. Shakyamuni n'attachait pas d'importance aux distinctions de classe. Il traitait tous ses disciples de façon impartiale, quelle que soit leur origine, leur caste ou leur richesse. Il exerça cependant un grand attrait sur bon nombre de personnes réfléchies occupant des positions sociales élevées. Sa chaleur humaine et son magnétisme personnel lui valurent une large adhésion. Shakyamuni aurait débattu à Ayurveda avec des adeptes du brahmanisme, en particulier les prestigieux frères Kashyapa, des ascètes brahmanes membres de l'école Jatila. Ses frères, Ayurveda, Nadi, Gaya Kashyapa, s'attachaient les cheveux selon la mode brahmane et se livraient à diverses cérémonies. Ils avaient acquis une grande influence dans la région et on leur prêtait respectivement 500, 300 et 200 disciples. Shakyamuni eut probablement vent de leur renommée dès sa première retraite dans la forêt d'Ayurveda, lorsqu'il y pratiqua les austérités. Mais il pensa sans doute que les enseignements de ses adeptes d'Agni, dieu du feu chez les brahmanes, ne s'accordaient pas avec sa propre recherche de la vérité et il ne se joignit pas au groupe de leurs disciples. Une fois parvenu à l'éveil, il souhaita cependant réfuter leur doctrine. Il pensait ainsi convertir à ses enseignements non seulement des individus, mais des écoles entières de croyants du brahmanisme et faciliter de cette façon la propagation du bouddhisme dans la région du Ayurveda. Les écrits contiennent des comptes rendus saisissants de la confrontation entre Shakyamuni et les trois frères Kashyapa. Déterminé à convertir Ayurveda Kashyapa, l'aîné et le plus influent des frères, Shakyamuni lui aurait rendu visite, en lui demandant instamment l'autorisation de passer la nuit dans le temple du feu sacré, placé sous la surveillance des trois frères. On l'informa que le temple abritait un dangereux serpent, mais Shakyamuni maintint sa requête et on l'autorisa finalement à passer la nuit sur place. Le serpent tenta bien de l'attaquer, mais grâce à sa compassion et sa bonté, le Bouddha parvint à l'amadouer. Le lendemain matin, en apprenant cela, Ayurveda Kashyapa fut certes très impressionné, mais resta convaincu que ses pouvoirs étaient supérieurs à ceux du Bouddha. Alors Shakyamuni accomplit divers autres miracles et manifesta encore son pouvoir mystique, jusqu'à ce que le maître brahmane reconnaisse sa défaite. Sans prendre à la lettre ses références à des pouvoirs mystiques, cette histoire démontre le pouvoir et l'énergie de la foi de Shakyamuni, plutôt que sa supériorité dans le débat philosophique. Ayurveda Kashyapa s'inclina et supplia Shakyamuni de l'accepter sur le champ parmi ses disciples. Le Bouddha lui rappela qu'il dirigeait un groupe de 500 personnes et lui conseilla de ne pas prendre un tel engagement si hâtivement. Le maître brahmane consulta alors ses adeptes et, finalement, tous devinrent disciples du Bouddha. Ils coupèrent leurs nattes, les jetèrent dans le fleuve, ainsi que les ustensiles et instruments dont ils se servaient pour les sacrifices rituels. Nadi et Gaya Kashyapa décidèrent de suivre l'exemple de leur frère aîné, rejoignant à leur tour le Bouddha avec leur groupe de disciples. C'est ainsi que toute cette école brahmane qui avait acquis une puissante influence dans la région du Ayurveda, au point de compter quelques mille adeptes, rejoignit la communauté de Shakyamuni. Une conversion aussi massive, difficilement concevable aujourd'hui, témoigne du talent et de l'efficacité de Shakyamuni en matière d'enseignement et de pratique. Elle révèle aussi toute l'attention accordée par les Indiens de l'Antiquité à de telles confrontations religieuses et philosophiques et leur empressement à se placer sous la direction du maître qui remportait la victoire, quel qu'il soit. Elle représente également un important repère dans l'histoire de la communauté bouddhiste, car le groupe de disciples de Shakyamuni acquit une taille substantielle. Dans le royaume du Magadha, nombreux sont ceux qui se convertirent par la suite au bouddhisme en raison de leur vénération pour les frères Kashyapa. Le roi Bimbisara qui régnait sur ce royaume figura parmi ces nombreux convertis.
Ce monarque était allé à la rencontre de Shakyamuni lors de son premier séjour au Magadha, mais Shakyamuni ne s'était pas laissé séduire par ses offres de pouvoir ou de richesse, et le roi avait fait promettre au jeune homme de venir lui transmettre son enseignement une fois qu'il aurait atteint l'illumination. La deuxième rencontre entre Shakyamuni et le roi Bimbisara semble avoir suivi la conversion des frères Kashyapa. Selon la légende, apprenant l'arrivée de Shakyamuni à Rajagra, avec son nouveau groupe de 1000 convertis, le roi Bimbisara s'empressa d'aller le saluer avec ses ministres et toute sa suite. Il avait sans doute eu vent des rumeurs selon lesquelles Shakyamuni avait atteint l'illumination et fut ravi que l'éveillé n'avait pas oublié sa promesse. Au cours de cette rencontre, le roi fut instruit par Shakyamuni et lui-même se convertit. Il offrit alors au Bouddha et à ses disciples un domaine dénommé « bosquet de bambou », destiné à leur servir de temple et de monastère. Il ne s'agissait pas encore d'un vrai bâtiment, probablement un simple abri destiné à protéger les moines du vent et de la pluie. Il était situé au-delà de l'enceinte nord de la ville. Shakyamuni et ses disciples consacraient l'essentiel de leur temps à quémander des aumônes ou à voyager dans la campagne. Le monastère ne leur servait de havre de repos et de méditation qu'au cours de la saison des pluies. La conversion du roi Bimbisara et le nom de ce modeste monastère représentent des étapes importantes de l'histoire de la communauté bouddhiste, plus considérable encore que la conversion massive des vénérables frères Kashyapa et de leurs disciples brahmanes.